Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Le Premier ministre s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux du 4e pont d'Abidjan. Les détails dans cette édition. Un atelier s'est tenu à Abidjan pour l'application du décret sur les VTC. Et nous parlerons aussi de la rencontre entre les jeunes et le ministre de la Jeunesse lors de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse. Bientôt, les véhicules qui sortiront de Yopougon n'auront plus de difficultés à rejoindre les communes d'Adjamé et du Plateau. L'exécution des travaux de la première phase du projet allant de Sébroko à la voie menant au croisement du premier pont pour atteindre Yopougon est bien avancée. L'information a été donnée par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, lors de sa visite sur le chantier du 4e pont d'Abidjan. En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Djamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. C'est-à-dire que là où on avait des engorgements pour aller de Yopougon à Djamé, on ne devrait plus avoir d'engorgement. Ce pont vise à contribuer au renforcement et au développement des infrastructures en vue d'accroître la mobilité au niveau de la ville d'Abidjan. D'un coût de 142 milliards de francs CFA, le projet est financé par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire. La Direction générale des transports terrestres et de la circulation du ministère des Transports et l'Autorité de régulation du transport intérieur ont tenu un atelier à Abidjan. Il a été organisé pour la mise en œuvre effective du décret numéro 2021-860 du 15 décembre 2021 pour réglementer l'activité des VTC. La réalité mondiale imposée par les technologies de l'information et de la communication rend donc le VTC dans l'écosystème du transport presque incontournable dans les comptes. Fort de ce constat et de ces bouleversements, l'État de Côte d'Ivoire, après concertation avec les acteurs du secteur, a introduit dans son arsenal juridique le décret numéro 2021-660, 15 décembre 2021, portant réglementation du transport du plus particulier des personnes. Les enjeux de cet atelier, c'est d'abord surtout la clarification de chaque article, la compréhension par les acteurs de chaque article. Cet atelier nous permettra de faire des recommandations en tant que régulateur au ministère des Transports. Donc, c'est en cela que nous pensons que cet atelier est très important pour ceux qui souhaitent faire l'activité de VTC ou de covoiturage. Parce que, n'oubliez pas que ce texte n'est pas que pour les VTC. Il y a une partie pour le covoiturage et une autre partie pour les VTC. Identifier les difficultés de mise en œuvre du décret, trouver des solutions pour le suivi des activités des VTC et faire des recommandations pour la mise en œuvre effective et diligente du décret, ce sont entre autres les objectifs de cet atelier. Du jeudi 2 au vendredi 3 novembre, l'ensemble des parties prenantes se sont réunies pour trouver des solutions et faire des recommandations pertinentes afin de réguler le secteur des VTC en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse. Le 1er novembre dernier, le ministre de tutelle, Mamadou Touré, a profité de l'occasion pour inviter les jeunes de Côte d'Ivoire à saisir les opportunités d'emploi offertes par le gouvernement. Sa rencontre avec les jeunes s'est déroulée autour du thème « 1 million de coups » au niveau suivant. Je voudrais à présent m'adresser aux jeunes de Côte d'Ivoire. Le programme jeunesse du gouvernement est pour vous. Ce sont autant d'initiatives entreprises et à entreprendre pour votre autonomisation et votre bien-être. Je vous invite donc à saisir les opportunités qui sont offertes par le gouvernement afin de participer au développement économique et social de notre nation. En Côte d'Ivoire, l'année 2023 a été décrétée année de la jeunesse pour amplifier les initiatives en faveur des jeunes. Non, pour nous, c'est une satisfaction et qui vient de montrer une fois de plus que l'État a engagé dans la promotion de la jeunesse. 2023, je ne vous l'apprends rien, a été décrétée année de la jeunesse. C'est un point fort pour nous, mais également cette rencontre a permis à d'autres jeunes de relever d'autres aspirations
Après donc des comités, des groupes de travail qui seront mis en place, pourront en tout cas satisfaire leurs besoins. Instituée en 2006 par l'Union africaine, la Journée africaine de la jeunesse permet chaque année de promouvoir la reconnaissance des jeunes comme acteurs clés pour le changement social, la croissance économique et le développement durable dans tous les domaines de la société africaine. Et on termine avec cette triste nouvelle. Virtuose de la littérature africaine, Henri Lopez, écrivain congolais, est décédé à Suresnes, en France, le jeudi 2 novembre 2023. L'auteur de Tribalik, Le Pleuré Rire, Ma grand-mère Bantou et Mes ancêtres gaulois, Le Lys et le Flamboyant, Il est déjà demain ou encore sur l'autre rive, Sans tam-tam, est né à Léopoldville, ex-Congo-Belge, en 1937. Premier ministre du Congo-Brazzaville, ambassadeur, homme à plusieurs casquettes, mais celle que retiennent plusieurs générations d'Africains, c'est l'écrivain. Marie-Joseph Henri Lopez, dit Henri Lopez, figure de la littérature africaine, s'est éteint à 86 ans. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7 Info et sur www.7info.ci.